Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve pour la troisième partie du book haul du mois de juillet et c'est pas la dernière. Je vais pas m'excuser, je vais pas chercher d'excuses. Là c'est uniquement des achats Emmaüs. C'est ce que j'avais mis de côté, plus d'autres, pour le mois prochain, mais en fait j'ai tout pris parce que ça me prenait une place pas possible et j'avais peur que les gens tapent dedans. Donc j'ai préféré tout prendre, j'ai tout pris d'un coup, donc là j'en ai pour un certain montant, j'en ai pour plus de 100 euros. Voilà, c'est la première fois que je dépense autant à Emmaüs, mais là c'est la première fois qu'il y a un arrivage comme ça à Emmaüs, et là je pouvais pas passer à côté, les laisser, non je pouvais pas, j'en aurais pas dormi. Donc troisième partie, et là c'est vraiment uniquement Emmaüs. Donc, les personnes qui n'aiment pas les livres d'occasion, vous pouvez changer de vidéo, hein, parce que clairement celle-ci vous n'allez pas aimer, mais moi ça ne me dérange pas, et quand vous allez voir ce que j'ai réussi à trouver à Emmaüs, voilà, vous allez vous dire, ah, il faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour cet été. Donc en tout j'ai plus d'une trentaine de livres, je crois même j'en ai une quarantaine, je ne sais pas trop, je ne les ai pas recomptés, mais voilà. En attaque, il y en a qui sont pour moi, il y en a qui sont pour ma soeur, et il y en a qui sont pour nous deux, en fait. Voilà, une fois qu'il y en a une qui l'aura fini, ça sera pour l'autre, enfin voilà, parce que là, c'est des livres qui... Voilà, j'en avais jamais vu de cette édition, déjà que dans le commerce ou en occasion, mais je vais arrêter avec mon intro parce que là, ça va durer des points. Donc, c'est parti pour mon big craquage Emmaüs. Donc, je sais, en plus ils sont même pas dans, tous dans le bon ordre, je pense, parce qu'il y a des tomes, il y a des sagas complètes, il y a des sagas incomplètes, enfin. Alors, tout d'abord, de la maison d'édition Ada. Je pense que ça se dit Ada, ou ADA, je pense que c'est Ada. Je crois que c'est canadien, je pense. J'ai trouvé deux tomes. Je sais pas si c'est une duologie, j'ai pas encore trop regardé. Donc de Sonia Alain. Donc c'est la saga d'amour et de haine. Donc le premier tome, quand tout bascule. Et le tome 2, la trahison. Je trouve les couves très très jolies. Voilà. Donc normalement neuf, il coûte 9,95 $. C'est là que vous voyez qu'en France, nous, on a des maisons d'édition qui... Voilà, c'est le monde du livre est très cher en France. Et ils sont super souples, ils sont très très jolis. Donc très très contente d'avoir trouvé ceci. Hop. Ensuite, pour ma soeur, j'ai trouvé La cinquième vague, donc de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont Collection R. Moi je l'ai déjà lu. Mais bon, voilà. Je suis super contente, je l'ai trouvé pour elle, il est en très très bon état. Et voilà, je l'ai eu à 3 €. Et encore là je dis 3 €, mais à chaque fois il me fait un prix dessus, donc voilà, très contente. Ensuite j'ai trouvé Sanctuaire, le second tome des messagers des vents de Clélie Avit chez MSK. Il est trop trop beau, pareil il est en super bon état, et trop trop contente. Vous avez une petite carte là. Il est trop trop beau. Je suis juste deg de ne pas avoir trouvé le tome 1. Voilà. J'ai cherché partout. Soit il était déjà parti, soit il n'y était pas, je sais pas. Mais bon, il va falloir que je me trouve le tome 1 chez maman ou je ne sais où. Voilà, le bon coin où je vais voir. Parce que bon, la price est devenue un peu chère malgré. Enfin, les livres en eux-mêmes ils sont pas chers, c'est les frais de port qui sont devenus exorbitants. Donc c'est. Là je vois bien, ça fait un moment que je n'ai pas vendu. Parce que bah voilà, même ici mes bouquins sont à 90 centimes avec les frais de port, ça fait trop cher. Donc mais bon, je vais pas les mettre à gratuit. Enfin voilà quoi. Donc je vais essayer de les vendre sur le bon coin, je vais voir. Mais voilà pour ça. Ou sinon bah ils finiront à Emmaüs. Ou sinon quelques-uns ils partiront en concours et puis c'est tout. Ensuite je me suis trouvé Trouble Songe. Donc édition Rebelle, c'est la première fois que je voyais des éditions Rebelles, et il y en avait plein plein plein, donc vous allez en voir plein plein plein. Donc c'est de Stéphane Soutoul, voilà.
trop belles couves. Et la plupart, ils sont dédicacés. Voilà, donc c'est, il me semble que c'était la même personne qui a dû les déposer. Donc, une certaine Julia. Voilà. Donc elle était allée aux Aliénales, la Vénarde. Mais trop contente. Mais voilà, elle a dû faire beaucoup de vide dans sa bibliothèque. Parce que là, waouh. Mais ouais, elle a maintenant redonné des livres dédicacés. Je sais pas si j'oserais le faire, ça, par contre. Ensuite, je vais essayer de ceux que je vois, c'est une saga, je vais essayer de les mettre de côté et de les regrouper. Ensuite, aux éditions Hugo Roman, collection New Way, j'ai trouvé Te Retrouver de Karen David. Donc voilà, il était dans ma... Oui, il me semble. Vous voyez qu'il vient de chez Noz. Hein. Moi, je l'avais pas trouvé chez Noz, mais c'est chiant, c'est que les étiquettes de Noz, j'arrive pas à les enlever non plus. Ils sont abîmés le... Ouais, là, je vais pas réussir. Donc, il va falloir que je mette un coup de vapeur. Mais, ouais, contente. Voilà. En super bon état, donc... Ravie. Ensuite, je me suis trouvé un tome de la saga Midnighters. Donc ça doit être le tome 3. Non. L'étreinte des ténèbres. Ah non, c'est le tome 2. Donc moi j'ai le tome 1 et le tome 3 dans ma palle. Donc moi j'ai trouvé le tome 2. Donc l'étreinte des ténèbres de Scott Westerfield. Voilà. Relativement bon état, il est juste un petit peu jauni. Voilà. Et bon, bah, dans la même édition que ce que j'ai. Donc Pocket Jeunesse en version poche. Très contente. Ensuite, par où je vais voir celui-là. De chez BMR, j'ai trouvé Chasing Red de Isabelle Ronin. Donc c'était un roman sur Wattpad à la base. Il y a un tome 2 qui a dû sortir depuis. Donc très contente d'avoir... Bah, c'est mon premier BMR en papier en fait. Donc il y en avait d'autres mais pas super bien notés, donc j'ai pas pris. Mais voilà, celui-ci me faisant envie, je pris. Ensuite, chez Robert Laffont, collection R, j'ai trouvé Jalousie de Sean Olin. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est en super bêta, lui aussi. J'en ai pas vraiment entendu parler de celui-ci, mais bon. Tout public à partir de 14 ans, quand la romance devient thriller. Donc ouais. J'ai trouvé une, je pense que c'est une saga complète, de Julia Emptin, aux éditions Rebelle. Donc c'est la saga Angela. Donc le premier tome, Mortel Secret, donc aux éditions Rebelle. Je sais pas combien coûte ces livres neufs, je pense que ça doit être une vingtaine d'euros, mais ils sont vraiment pas épais. Voilà, donc, ah non, 17 euros celui-ci. Mais vous voyez, voilà, à 17 euros vous avez un nouveau roman qui est beaucoup plus épais, avec plein de fautes. Donc, voilà. C'est écrit tout petit, mais voilà. Le coup était joli, ma frangine les voulait, donc j'ai pris. Donc ceux-là, on se les lira, voilà, un coup l'une, un coup l'autre. Donc Angela, le tome 2, Mortel Baiser. Celui-ci, il aurait dû être... Il est vendu neuf, il est à 18,50 €. J'aime bien les couves, elles sont belles. La luminosité est pas terrible, hein, comme d'hab. Je suis dans ma chambre, les deux lumières sont allumées, le Velux est grand ouvert, mais ça fait noir quand même. Donc le troisième tome, Mortel Étreinte. Celui-ci, 19,90 €. Plus on avance dans les tomes, plus ils sont chers. Enfin, en même temps, ils sont de plus en plus gros. Le quatrième tome, Mortel Mémoire. Celui-ci, 18,50 €. Il est plus gros que le tome d'avant, mais il est moins cher. Il y a des choses qui sont pas très très logiques. Hein. Et, ouais, les couves sont très très jolies.
Et le tome 5, Mortelle Destinée, le plus beau. Et celui-ci, il fait 19,90 normalement. Mais voilà, ils sont pas cassés, rien du tout, ils sont magnifiques. Ah, et il est dédicacé. J'ai pas regardé les tomes précédents. Dédicacé. Ah, là j'ai un marque-tapage qui ne va pas avec cette saga, je crois. Hop. Celui-ci n'est pas dédicacé. Le tome 2, Les. Salon du livre de Paris 2013. Le premier tome ne l'est pas. Mais voilà. Va falloir que je la rencontre, cette petite Julia là. Ensuite, j'ai trouvé Le Tyran des songes d'Oren Miller. Donc, Jacques a dit meurt. Aux éditions, je sais pas ce que c'est comme maison d'édition. Tout public, aventure, mythe. Normalement, il fait 17 euros. Les pages sont très très blanches. Mais la maison d'édition, c'est EDB. Voilà, c'est EDB édition. Je sais pas trop si. Normalement, il doit y avoir un nom moins raccourci, je pense, mais je vois pas ce que c'est. EDB. Si vous savez, mettez-moi ça en commentaire. Mais voilà, ça, c'est... ma soeur était intéressée, donc il est là. Il est. C'est à une petite paresse quand même. C'est pas écrit super gros. Mais le format est pas mal, je trouve. Ensuite. J'ai trouvé plusieurs tomes de la saga de l'épouvanteur. Donc j'ai trouvé le second tome donc, de Joseph Delaney. Donc la malédiction de l'épouvanteur aux éditions Bayard Jeunesse. Donc moi j'ai que le premier tome, pareil, trouvé en occasion. J'avais dû le trouver à cash, je pense. Donc très contente de compléter. Le tome 3, Le secret de l'épouvanteur. Toujours chez Bayard Jeunesse. Et bah, ils sont juste un petit peu jaunis. Hop. Et j'ai trouvé, je pense que c'est un hors-série celui-ci. Le bestiaire de l'épouvanteur. Voilà, il est comme ceci. Donc toujours chez Bayard Jeunesse. Et voilà, les pages sont très toutes différentes. Vous avez voilà, les photos, les illustrations. Enfin voilà. Donc très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Donc celui-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les illustrations? Oui, illustré par Julek Heller. Donc très très contente de l'avoir trouvé. Je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne. Donc très très contente. Ça va apporter un plus quand je lirai la saga. Trouvé de Julia Emtin encore, la même que la saga des mortels secrets, je sais pas quoi là. J'ai trouvé Résilience, toujours chez Rebelle. Celui-ci fait 12,90. Oh, moi, je trouve ça relativement cher quand même pour un petit livre qui doit se lire très très rapidement. Donc, voilà pour celui-ci qui est dédicacé. Toujours pour Julia. Hein. Donc, aux Aliénales de 2016. Voilà. Hop. Donc il va falloir que ma frangine change de prénom. Il va falloir s'appeler Julia, ma cocotte. Ensuite, j'ai trouvé de Solène Alzema Sigo en toute transparence. Toujours chez Rebelle. Celui-ci fait 11 euros normalement. Collection Chimère. Il y a un beau travail d'édition quand même. Hein. Mais bon. Si vous voulez beaucoup de rebelles, voilà, faut avoir de l'argent. Hein. Si vous voulez lire que ça, c'est compliqué. Ensuite, je sais pas si c'est une duologie, je pense que c'est une duologie, je sais pas trop. De Aurélie Mandonza, je sais pas trop comment ça se dit. Je sais même pas si c'est une saga, il a pas écrit tome 1. Ou... Bah là, il est dédicacé aussi avec une superbe illustration. Trop belle. C'était où ça? Je ne sais pas. Il me semble que ça date. C'est écrit 20, 05. Je sais pas.
Ouais, je trouve ça cool. Oh, c'est joli ça. Donc ces ambiguïtés, je sais pas si je vous l'ai même pas dit, je crois. J'étais tellement happée. Trop beau. Trop beau. Va falloir que j'avance, sinon j'ai pas fini la vidéo là. Donc toujours de la même hauteur, j'ai trouvé Zombition. Voilà. Toujours dédicacé pour Julia. Voilà. May the fox be with you. Elle a son petit tampon renard qui la suit partout, j'ai l'impression, cet auteur. Donc voilà. Contente. Enfin, c'est surtout ma soeur qui doit être so happy. Mais bon, moi aussi, parce que bon, mais ils me font quand même bien envie aussi. Ensuite, j'ai trouvé, je sais pas si c'est une trilogie, d'Oxana Hope. Donc le premier tome, Rébellion, Go to Hell. Qui fait 14€ normalement, c'est toujours dans la collection Chimère, donc encore une dédicace. Avec là cette fois-ci une petite stamp tête de mort. Voilà. Le tome 2 Pulsion, qui est un peu plus gros, celui-là il ferait 17,09€. Dédicace aussi. Tome 3, Trahison. Les couvres sont très jolies. Hein. 17,50€. Et le troisième est aussi dédicacé. Donc voilà. Ensuite, de Julia M. Tin, je viens de trouver encore un autre livre. Donc Lune Rouge. 21,90€ celui-ci normalement. Et encore dédicacé, donc il vient des Aliénales de 2015. Donc voilà, c'est une bonne brique à celui-là. Ensuite, toujours aux éditions Rebelles de Sandrine LM, petite complication entre amis. 15€ celui-ci, normalement. Celui-là, je suis pas trop fan de la couvre, mais bon. Ça va, il n'est pas dédicacé celui-là. Mais elle a fait un sacré tri. Hein. Je pense que c'est la même personne. Hein. De toute manière, vous avez vu, les dédicaces sont quasiment pour la même personne. Ensuite, ça, je ne sais pas trop si j'ai trouvé d'autres tomes. Donc, de Daniel Cuisiano, Ombre vive, le premier tome, Double vœu. Toujours chez Rebelle, collection Chimère, 14,50€ normalement celui-ci. Celui-ci, bon, j'ai déjà vidé un cabas, c'est déjà bien, on est déjà à 18 minutes, ou 19 minutes. Ça va être une vidéo très très longue. Donc ensuite, j'ai un deuxième cabas rempli. Hein. J'ai trouvé de Becca Fitzpatrick, Black Ice aux éditions MSK. J'en ai jamais entendu parler, mais l'auteur, voilà, j'en ai déjà entendu parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Il me semble que j'ai déjà dû lire quelque chose d'elle, je sais plus trop, je vous mettrai à l'écran. Si j'y pense, mais voilà. Ensuite, j'ai trouvé Effacé de Terry Perry. Donc celui-ci il est pour moi parce que bah, ma frangine l'a déjà lu. C'est aux éditions La Martinière Fiction. J-Fiction. Donc à voir si j'arrive à me trouver les prochains tomes. Voilà, je pourrais la commencer. Mais contente d'avoir trouvé ceci. Ensuite, pour ma soeur, j'ai trouvé un Franck Tillier, donc Puzzle. Là, j'accroche plutôt pas mal avec Rêver, donc de Franck Tillier, que je suis en train de lire. Donc celui-ci, je pense qu'une fois qu'elle l'aura lu, il reviendra chez moi. Plusieurs tomes du même saga, donc chez Milady Bitlit. On va commencer peut-être par le premier tome, ça serait bien. C'est la saga Morsure, donc de Kelly Armstrong. Donc le premier tome, Femme de l'autre monde. Donc il y en a en version brillante et les autres ils sont en version mate. Mais c'est quand même des bricasses. Mais voilà, ça me refait un petit peu de bitlit. Quoique j'en ai. Mais bon, c'est beaucoup, c'est les mêmes sagas donc. Alors. Normalement elle est en 13 tomes celle-ci. Il me semble.
Donc le tome 2, Capture. Donc en fait, c'est la saga de la femme de l'autre monde, en fait. Donc, Capture. Voilà, je les trouve très jolies. C'est toujours des bricasses. Le tome 3, Magie de Pacotille. Le tome 4, Magie d'entreprise. Ils sont tous épais. Hein. Le tome 5, Antise. Je l'aime beaucoup avec la fleur, la rose. Et ils sont super bon état. Le tome... Ah, il manque le tome 6. Ouais, je passe au tome 7, donc Sacrifice. Hop. Le tome 8, Démoniaque. Je les trouverai peut-être, ils étaient peut-être pas encore mis en rayon, je les trouverai peut-être la prochaine fois. Le tome 9, En Apparition. Donc je les trouverai la prochaine fois, hein. Je pense que les gens vont pas prendre, enfin à part s'ils en sont au même endroit dans la saga. Mais voilà, il y aura peut-être moyen que je les trouve. Et encore un autre tome des Épouvanteurs. Donc le tome 4, Le Combat de l'Épouvanteur. Donc toujours chez Bayard Jeunesse, petite pièce. Voilà. Le tome 3 des Messagers des Vents. Il est beau. Le premier est beau aussi et celui-ci est magnifique. Donc Gardien des Feux, donc de Clélie Avit, donc toujours chez MSK pour ceci. Ouais, il va vraiment falloir que je trouve le premier tome. J'ai trouvé Starter aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc c'est de Lisa Price. Voilà. Je l'avais déjà vu celui-ci. Oh, c'est écrit super gros. Mais voilà, il me faisait envie, donc... j'ai pris. Parce que normalement, ça coûte ouais, 17,15, 9. Stéphane Soutoul, donc ça, c'est plus pour ma soeur, mais bon. Ah, il y a un gros marque-tapage dedans. Trop cool. Il est dédicacé. Donc, aux éditions Rebelle, Je n'aimerais plus. Magnifique couve. C'est une petite bricasse. Celui-ci, normalement, il a 19,90€. C'est à partir de 16 ans. Merci. C'est une fantastique jeunesse. Donc, vous avez le gros marque-page. Trop cool. Et bah forcément, il a été dédicacé donc aux Aliénales, toujours pour Julia. Hein. Donc c'est aux Aliénales de 2017. Hein. Moi, je pourrais pas, moi, donner des livres qui sont dédicacés. Puis ils sont beaux, ces livres-là. Hein. Enfin, je sais pas. Mais bon, merci. Moi, je suis contente de récupérer. Ensuite, je me suis trouvé deux tomes de la saga des aventures d'Aliette Renoir. Donc le premier tome, La secte d'Abaddon. Voilà. Toujours d'édition Rebelle. Ça coûte 18€. Donc c'est dans la collection Lune de Sang, celui-ci. Et c'est de l'auteur Cecilia Correia. Mais elles sont trop beaux, ceux-ci. Ça va, ça a dédicacé. Mais ceux-ci, ouais, moi, ils me font très très envie. Donc le premier tome et le second tome dans l'ombre du roi, toujours de la même hauteur, 18,50€. Ah, celui-ci est dédicacé. Ouais. Ça date de 2013, je crois. Voilà. Ensuite, ah non, c'est pas fini. Chez Robert Laffont Collection R, j'ai trouvé de Karina Rosenfeld la saga Les cendres de l'oubli, le premier tome Phénix. Je l'ai trouvé sublime. Il est en état tellement, tellement bon état. Il est encore dédicacé. Ça date de 2013. J'ai été dédicacé, je pense, au livre de Paris. Merci. Julia, il va falloir que tu passes chez moi avant d'aller chez Maïs. Et dedans, j'ai un, je sais même pas si elle l'a fini. Il y a un marque-page, la sélection. C'est dommage, il a été coupé là. Mais la sélection, de l'autre côté, vous avez les centres de l'oubli. Mais après, est-ce qu'elle les a... Bon non, les rebelles, il faut qu'elle les a achetés. C'est pas des services presse, je pense pas. Mais... Il va falloir m'emmener au salon du livre avec toi, Julia.
Ah non, la plupart du temps je travaille de toute façon. Donc... Là, chez la collection R de Robert Laffont, j'ai trouvé Addict, donc de Jane, Jeanne, Ryan. Voilà. Je l'avais déjà vu à Emmaüs, mais il était dans un état pas possible, donc j'avais pas pris. Donc là, il est en état très très correct. Donc j'ai pris. Ça va, il n'y a pas dédicacé. Je vérifie maintenant. Ensuite, on retourne chez Rebelle. Je vais pouvoir vous montrer ceci. J'ai trouvé une. Je sais pas si c'est une trilogie. Non. Ou une. Comment ça se dit quand il y a 4 tomes ? Quadrilogie ? Alors, de Stéphane Soutoul, les anges d'Apocalypse. Donc, le premier tome, Le tourment des aurores. Les couvres sont magnifiques. Donc, ça, normalement, ça coûte 19,90€. Collection Lune de sang. Voilà. Il est dédicacé. Aliénal 2013. Alors, keep calm and read this book. Il coule le tampon. Donc, toujours pour Julia. Hein. Le tome 2, Le frisson des aurores. Qui lui aussi est dédicacé. Je sais pas, c'est 2013 aussi. Non, 2014. Ouais, c'est pas les mêmes années en plus. Hein. Mais c'est dingue. Le tome 3, La discorde des aurores. Donc là, c'est en 2014. Donc elle en a pris deux le même, non, la même année. J'aime bien l'écriture de l'auteur. Et le tome 4, La guerre des aurores. Je ne sais même pas si je vous ai montré les couves précédentes. Là, c'était en 2015. Il n'y a plus le petit tampon. Mais Et c'était où ? À Mont... Je sais pas. J'arrive pas à lire le lieu. Mont... Ah, c'est Montpellier. Ouais, ben là, le P, il n'est pas... Mais c'est Montpellier, voilà. Donc, voilà pour cette saga. Là, le deuxième cabas est vide. Il me reste ceci à vous montrer. Donc, de Stéphane Soutoul toujours, j'ai trouvé Si proche de lui aux éditions Rebelle. Désolée pour la brillance. Donc, à 18€. Et je vois que celui-ci est dédicacé aussi. Et il est... Ah. Les dédicaces sont cool. Donc là, c'est les Aliénales 2014. Donc ouais, ils sont beaux. Ensuite, j'ai trouvé un premier tome de J. Arden, Le souffle de la lune. Et là, les dédicaces aussi, j'ai tout d'abord un stamp. Oh, regardez-moi ça. Donc toujours pour Julia, bah voilà. Pas daté, donc je sais pas trop, mais c'est trop chou, c'est trop chou. Et ça, c'est une bonne bricasse, 19,90€, donc là, ça va encore. Donc oui, il y a des moments, donc je regarde un petit peu quand même. Donc ensuite, j'ai trouvé de V.I. Prats, Empathie, le premier tome, Primus. 17,50€, c'est du suspense thriller à partir de 18 ans. Toujours chez Rebelle. Donc, voilà. Trop cool. Je les ai pas comptés, il va falloir que je les compte avec vous. Là. Et ensuite, j'ai pris deux petits DVD pour Bisous. J'ai trouvé Dinosaure. Je continue dans les Disney. Hein. Dans les grands classiques. Donc voilà, Dinosaure. Et j'ai trouvé La Reine des Neiges. Voilà. J'espère qu'il est pas... J'ai pas regardé s'il était abîmé ou quoi. Parce que bon, celui-là, à mon avis, il tourne. Hein. C'est un petit peu comme... On se demande. Voilà, je continue à amasser ma petite collection de Disney pour Bibou. Voilà pour ça. Donc, je vais les compter
On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 livres, je vous avais dit une quarantaine. Donc 53 livres. Voilà. Et j'en ai pour, on va dire, 120. Entre 120 et 140, je crois. Bon, il y a des DVD avec. Enfin, voilà. Voilà pour mon gros craquage Emmaüs. Mais bon, c'est pas tous pour moi. Enfin, j'espère les lire tous quand même, un jour. Mais est-ce que je vais pouvoir tous les lire? Enfin, si... Mais bon, voilà pour le gros craquage du mois de juillet qui n'est pas fini étant donné que j'ai encore un ou deux livres à récupérer à France Loisirs. Voilà. Mais voilà, je pense que ce mois-ci, ça a été... ouais, quand même assez énorme. Mais bon, c'est pas souvent qu'il y a des arrivages quand même comme ça dans mon Emmaüs. C'est rare que j'ai rien, c'est rare que je trouve rien, mais là franchement c'était trop bon quoi. C'était juste magique de trouver autant de... Mais bon là c'est la même personne qui a dû déposer, donc voilà, là elle a vraiment vidé ses bibliothèques. Et ça va remplir un petit peu les miennes et un petit peu beaucoup celles de ma soeur. Mais bon voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé tout ça. Et j'aurais culpabilisé, je me serais sentie mal si j'avais pas pu tous les prendre. Voilà. J'en ai laissé quelques-uns des éditions Rebelles parce que bon, ils n'étaient pas forcément bien notés. Il y avait des livres auto-édités aussi qui n'étaient pas sur Livre Addict, donc je sais pas trop ce que ça vaut, donc je les ai pas pris, je verrai bien s'ils y sont encore le mois prochain. Mais bon voilà, là il va falloir que je me calme un petit peu quand même dans les livres, mais enfin, je dis ça à chaque fois mais j'y arrive pas. Mais là, il va vraiment falloir que je mette un frein quand même. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Sinon, regardez-la en plusieurs fois. Hein. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis foncez dans vos Emmaüs, franchement, j'adore mon Emmaüs. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Sachant que là, le rythme va se calmer un petit peu étant donné que bah, je vais être en vacances. Donc qui dit vacances, qui dit pas de vidéo. Hein, le mois d'août, normalement, il n'y aura pas de vidéo. Je vais sûrement filmer. J'ai essayé de filmer plusieurs petites vidéos avec ma soeur, des tags, des choses comme ça. On verra si on a le temps, tout ça. Mais voilà, au mois d'août, il y aura nettement moins de vidéos, voire pas du tout. Voilà. Mais bon. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent aussi, étant donné que les gens sont en vacances. Donc voilà, un petit peu de repos, ça va me faire du bien. Je vous fais plein de bisous et donc à bientôt pour la prochaine. Ciao. Et bonnes vacances. Et bonne lecture. Bye.